Oui, nous sommes donc dans ce résumé là de Marseille. Marseille contre qui jouait donc ce soir contre le Slovan Liberec avec les Marseillais et Batshuayi. Batshuayi qui a failli ouvrir le score. Un match où les Marseillais donc joueront leur sixième match de poule de l'Europa League où ils sont quasiment qualifiés hein, face au Tchèque du Slovan Liberec. Alors que là, Rolando, excusez-moi, était aligné donc à la défense centrale de cette équipe marseillaise. Hein, Marseille qui a un peu remanié son équipe. Hein, c'est vrai qu'ils étaient quasiment qualifiés, on va dire à 80%. Hein, et même avec un match nul. Hein, mais je pense que les Marseillais quand même voulaient bien figurer, bien finir dans cette finale, ce match final de cette poule, de phase finale de poule d'Europa League avec là le Slovan Liberec qui a failli ouvrir le score là un bon dégagement de la défense olympienne avec Rolando justement donc on revoit une action rondement menée par les joueurs du Slovan Liberec un débordement côté droit centre en retrait et heureusement là qu'il y a eu un dégagement marseillais car Mendy s'était bien fait prendre Nkoulou aussi. Et finalement, il a fallu un bon dégagement marseillais de la défense pour sauver cette action. Alors que là, Steve Mandanda intervient dans les airs. Le gardien marseillais, hein, le capitaine de cette équipe. Le Marseillais, alors que nous sommes à la 13e minute, ont un petit peu de la peine. Heureusement, là, on a une super interception de Maurice Louis là pour Michy Batshuayi. Michy Batshuayi et Michy Batshuayi qui ouvre le score à la 13e minute pour les Olympiens, congratulés par ses coéquipiers Kabela Nkoudou. Le magnifique festival, enfin la magnifique prise de balle de Michy Batshuayi dans le sens du but pour éliminer son défenseur central et une frappe très limpide qui vient tromper le gardien du Slovan Liberec. Et qui permet aux Marseillais d'ouvrir le score dans cette rencontre. Et Mitchell, qui est donc content de voir ses joueurs ouvrir le score. Avec les joueurs de Slovan Liberec au coup franc excentré, une sorte de mini corner. Et la 25e minute, donc les joueurs de Slovan Liberec qui jouent donc à domicile, hein, bien sûr, qui ne veulent pas partir sur une défaite hein, et une nouvelle humiliation dans cette poule. Et cette phase de groupe, alors que là il y a une petite altercation dans la défense marseillaise avec Sikora et beaucoup de monde devant Steve Mandanda pour le perturber et l'empêcher d'intervenir. L'arbitre doit faire le ménage. Et il a même mis un carton à Steve Mandanda qui n'en revient pas, alors que ce corner n'a rien donné. Mais les joueurs du Slovan Liberec qui mettent la pression pour revenir au score. Un coup franc là, donc Kabela ne comprend pas trop. Il sera suspendu au prochain match, hein, Kabela. C'est vraiment très bête. Hein. Les Marseillais auront besoin de lui. Et les joueurs du Slovan Liberec qui ont pu jouer ce coup franc. Toujours dans la défense olympienne. Avec Batshuayi qui a sauté quasiment sur le défenseur. Sur Pavelka. Sur l'attaquant plutôt du Slovan Liberec et Batshuayi donc il prend, regardez, il fait quasiment un ascenseur, donc il a pris ce carton jaune. Hein. Heureusement qu'il n'aura pas de conséquences, hein, si ce n'est ce coup franc. Slovan Liberec qui égalise! L'égalisation des joueurs tchèques du Slovan Liberec. Regardez. Oh non, non, en fait, il s'est vraiment, excusez-moi. Mais c'est l'effet rétro qui a vraiment le filet en tremblé, mais pas du bon côté. Et finalement, toujours 1-0 pour ces Olympiens. Plus de peur que de mal. Et Pavelka hein, qui vient commettre une faute sur Kabela, un jeu très dangereux estimé l'arbitre de cette rencontre. Avec les Olympiens, toujours Michy Batshuayi, vraiment l'homme en forme, la satisfaction de ce début de saison marseillais. Hein. Avec Batshuayi qui centre! Et Barada qui était Abdelaziz Barada tout seul au second poteau qui loupe l'aubaine. Une aubaine, une balle de break, hein, le vendangé par Abdelaziz Barada. Alors que là c'est Nkoudou qui frappe! La frappe est déviée par
Le gardien et la manchette du numéro 21, le capitaine lui aussi de cette équipe du Slovan Liberec. Alors que les Marseillais qui récupèrent la balle, Abdelaziz Barada, loin là-bas en profondeur. Et c'est le doublé! C'est le but de Nkoudou! Et les Olympiens qui font le break juste avant la mi-temps. Le numéro 14 Olympien Nkoudou! Qui donne l'avantage, un avantage conséquent et un avantage peut-être décisif aux Olympiens, juste avant cette mi-temps. Magnifique phase de jeu, en tout cas des Olympiens, qui ont pu concrétiser leur domination dans cette première mi-temps et inscrire le doublé. Les Olympiens, à la 45e minute, toujours à l'attaque, avec Cabella qui va frapper. Et finalement, c'est contré. C'est contré par la défense tchèque du Slovan Liberec. Alors que les Olympiens rentrent à la mi-temps avec ce score de 2-0 assez confortable, qui les conforte dans cette qualification et deuxième derrière Braga. Le troisième but! 3-0 pour les Olympiens! Abdelaziz Barada vient sceller le sort de ce match. Regardez la longue balle.